On a bien bossé en recours là, donc on essaie d'avoir une auto équilibrée. Maintenant, on va suffisamment vite pour espérer accrocher la première ou la deuxième place. Le champion de France en titre. Si vous voulez bien descendre, Corinne et Gilles, attention, ne soyez pas fâchés. Bon, Gilles, vous êtes... Donc c'est vrai que les Porsche sont à l'heure aujourd'hui, donc il fait beau, c'est le principal, on peut vraiment nous occuper des autres. Ça va, Lara, pas trop fatigué. Bonne journée. Bonne effet. Bien, vous aussi, vous avez connu des soucis ce matin, entre autres, une crevaison. C'est comme ça, j'arrive dans un virage, je ne peux pas trop vite. Je ne porte pas d'accord pour ne pas sortir. Et voilà, quelle raison. Pilote qui a été pilote professionnel. Michel, par rapport à la SUV, il manque deux roues motrices. Ça va aller. Mais ça va pousser, pas. Oui, ça pousse. Ça pousse, ça pousse. Bon,
avec des gens. Ça siffle. Comment ça se présente, ça va-t-il ? Là, les routes sont difficiles pour nous, parce qu'on connaît vraiment pas. Nous, chez nous, c'est plat. On a eu un nouveau moteur, avec André Chipo. Ah oui ? Donc on a 400, 410 chevaux. Ça va mieux maintenant. Bon, c'est à peu près identique à Gilles, quoi. Donc, on va essayer de suivre et essayer d'être le plus crème aussi de ces temps. Donc voilà, le bilan c'était d'apprendre encore beaucoup la voiture aujourd'hui. Voilà, si vous venez de nous rejoindre. Thank you.
rythme, je monte dans la deuxième parce que je ne fais pas content, je comprends pas pourquoi. Lionel. Oh, on est à la maison, pas presque, on est en plein temps là. Donc ça devrait bien se passer. J'espère. C'est le copilote. Eh oui, il a voulu se raser, mais c'est le copilote. Cédric Robert et Mathieu Duval, avec, je rappelle, une 8e place au classement, une 2e dans la catégorie. Sarrazin, Benjamin Royas sur une 307 WRC. Il rentre en tête ce soir.